pourquoi on s'est lancé dans cette réflexion-là? Ben, en fait, on se situe en zone périurbaine, proche de la ville de Sarlat. On a des, tous les trois exploitations ont une production de veaux de boucherie, donc avec pas mal d'effluents, et qui peuvent engendrer au moment des épandages des nuisances olfactives. Donc, la première réflexion elle était là-dessus. La méthanisation permet d'éliminer toute la partie olfactive donc, des produits qui sont épandus par la suite. Et puis aussi c'est un complément on va dire à l'agriculture et donc à la production d'énergie qui aujourd'hui est quelque chose d'important. Le travail est partagé, il est collectif, donc afin que ça soit mené de la meilleure des façons. Donc, on a pour habitude de se retrouver tous les matins au café. Donc pour faire un peu le bilan, de voir s'il y a eu des pannes et puis aussi établir le programme de la semaine et au sein des managers. Donc il y en a un qui est toujours de garde et les autres, et à tour de rôle bien sûr, une semaine sur six. Et après bon, on est sur des actions plus collectives comme l'ensilage, tout ça. Et on essaie de mettre tout ça au point. Donc ça se passe de la meilleure des façons. Quoi. Parce qu'on travaille ensemble pour la métallisation, mais plus que ça, pour, j'allais dire, plus pour les exploitations sans ça.